historiens modernes qui se sont penchés sur le journal de Gouberville ont tous été frappés par le fait qu'il n'avait pas d'épaisseur historique. Gouberville ne parle que de l'instant. Madeleine Fozil a appelé ça l'histoire immobile. Le roi Ladurie parlait de la différence au temps historique. Et de fait, il n'a ni père, ni mère, ni enfant qui donne de l'épaisseur historique à, son récit. Il n'est pas sensible au passé, il ne s'étonne pas devant quelques éléments archaïques comme l'élevage semi-sauvage de son bétail dans les, forêts ou les corvées des Rosséans qui avaient tellement choqué le roi Ladurie. Il ne parle pas non plus du futur, il développe son exploitation, mais sans nous dire pourquoi. Il ne parle pas de l'évolution possible de ses méthodes. Alors il faut de moi reconnaître qu'il semble qu'il y ait une notion assez élastique du temps à son époque. Dans presque toute la société, on constate que tout le monde payait tout avec retard, par exemple. Gouberville lui-même paye avec 8 ans de retard un artisan qui avait travaillé pour le mariage de sa sœur. Il paye avec 12 ans de retard la rente féodale qu'il lui devait. Il paye avec 10 ans de retard une rente qu'il doit au domaine royal. Et inversement, on lui paye avec 24 ans de retard les intérêts d'un prêt qui avait été accordé par son père vers 1520. Et naturellement, il paye ses domestiques avec retard. Donc, il ne devait pas être le seul dans son genre à s'intéresser au présent et à donner assez peu d'importance au passé et au futur. Mais c'est d'autant plus étonnant que la période qu'il décrit, la période de sa vie, a été une époque de mutations extrêmement importantes. Je n'en citerai que trois dont il n'a pas parlé. La croissance de la population, qui a été considérable. L'inflation des prix et des salaires, qui a été une rare période de l'histoire avec une inflation sous l'Ancien Régime qui d'habitude n'en connaissait pas. Et enfin, un point un peu plus technique, mais majeur pour lui, qui était un propriétaire foncier important, la croissance de la valeur des actifs. Alors on peut se demander quel est l'effet de ces différentes mutations sur sa situation matérielle, est-ce que ça l'aurait affecté dans le futur ? Et quels effets sur sa qualité de connecteur au sens du réseau social, les sociologues qui s'intéressent au lien social appellent connecteurs les quelques rares individus qui ont un réseau de relations extrêmement démesuré presque par rapport au réseau des autres personnes et qui assurent une connexion aisée et courte entre les différentes personnes d'une société. Et Gouberville savait très bien jouer ce rôle parce qu'il avait une vision extrêmement segmentée de la population, presque par classe. Il avait la couche des nobles et des prêtres, des officiers, des cousins nombreux, de tout le monde de la justice, et puis enfin ceux qui étaient autour de lui, ses rosséans, c'est-à-dire ses fermiers ou ses exploitants, les artisans et les fournisseurs. Donc, je vais essayer d'investiguer les conséquences que peuvent avoir ces trois facteurs principaux, ces trois grandes mutations sur la vie de Gouberville et son activité. Alors sur la population, s'interroger sur la population du XVIe siècle, c'est déjà se pencher à une période extrêmement obscure de l'histoire, puisque naturellement les sources sont extrêmement rares. On peut malgré tout trouver quelques documents, mais fort peu nombreux, qui nous éclaire. On est obligé de remonter assez loin pour trouver une source solide au XIIIe siècle. C'est le compte d'une toute petite redevance qui était versée au luminaire de la cathédrale. Ensuite, on a la chance de trouver dans la Manche des rôles de monnayage. C'est un impôt triennal qui avait été créé au XIe siècle pour espérant que le duc ne change pas la valeur de la monnaie. Et puis naturellement, au XVIIe siècle, on arrive sur des bases plus solides et mieux connues, qui sont les rôles ou les départements du principal impôt direct, qui était la taille. Mais malgré tout, tout cela est très lacunaire et on ne peut faire des reconstitutions que sur des zones suffisamment vastes. Donc sur la Manche, c'est une zone assez vaste où les documents sont assez nombreux pour qu'on puisse valablement reconstituer. Et on arrive à cette allure-là. Alors, il ne s'agit que du nombre de feux, pas de la population elle-même. Les anciens ne manipulaient pas ces évaluations de la population en nombre d'habitants, mais ils ne parlaient toujours que du nombre de foyers.
Donc on part d'une situation au XIIIe siècle qui était extrêmement dense. Les historiens ont parlé d'un monde plein, au sens où, par rapport aux ressources, aux moyens techniques de l'époque, c'était certainement une population très élevée, d'ordre de 80 000 feux dans la Manche. Il y a ensuite l'effondrement lié à la peste noire et à la guerre de Cent Ans, accru pour la région qui concerne Gilles de Gouberville par l'évacuation ordonnée par le roi de tout le Cotentin en 1378. Une remontée ensuite pendant l'entre-deux-guerres, en quelque sorte, vers 1400. Une seconde chute dans la deuxième phase de la guerre de Cent Ans, et puis une lente remontée. Et après la fin de la guerre, il s'est passé un épisode étrange. La population était prête à repartir, à retrouver son niveau antérieur. Quand est intervenu vers 1510 ou un peu avant, une série d'épisodes qui sont d'ailleurs assez mal connus, mais où manifestement il y a eu des phases de peste, des disettes, qui fait que la population a plongé. Et à l'époque de la naissance de Gouberville, la population était à un nouveau minimum. Mais après, elle est repartie une fois les questions de peste et de disettes réglées. Et donc, toute la vie de Gouberville s'est passée pendant une phase de forte croissance de la population qui continua jusque vers 1670, après de nouveaux épisodes dépressifs qui l'ont fait chuter. Et donc, Gouberville, pendant toute sa vie, a connu une forte croissance de la population. Alors, il faut d'ailleurs se souvenir que à cette même époque de Gouberville, dans le restant de la France, le rattrapage de la population a été déjà terminé, c'est-à-dire que la population de la France avait déjà rattrapé le niveau qu'elle avait au XIVe siècle, voire même un peu plus. Alors je vais maintenant m'intéresser à ce que j'appelle le principal terrain de jeu de Gilles de Gouberville, c'est-à-dire l'endroit où l'amenait à se déplacer sa lieutenance des eaux et forêts. Naturellement, c'était l'endroit où il avait ses exploitations agricoles, où il y avait ses cousins, il y avait les foires qu'il fréquentait, où il y avait ses fournisseurs. Donc c'est cette région au nord-est de la ligne qui va de Cherbourg à Valognes à laquelle je vais m'intéresser. Alors si on part de la connaissance un peu détaillée qu'on a, la seule qu'on a avant la naissance de Gouberville, qui remonte donc au XIIIe siècle, qui avait été après appelé le premier monde plein, cette zone-là est encore fort peu peuplée par rapport à nos standards modernes, et la paroisse du Ménil-Auval est toute petite, avec 24 feux, donc une centaine d'habitants. C'est manifestement une clairière dans la grande forêt de Brie qui a été ouverte, et cette clairière va s'enfoncer progressivement au cours des temps d'après dans la forêt de Brie par des défrichages. Et d'ailleurs la commune du Ménil-Auval a toujours cette forme de coin qui pénètre dans la forêt. La zone de population importante à cette époque-là, c'était l'Est, c'est-à-dire la zone de Barfleur, Montfarville et Réville, la zone côtière où se trouvaient des ports. Et à l'époque que je regarde ici, Barfleur était un port important qui se livrait au commerce international. Le flux qui allait de la mer du Nord jusqu'au Portugal, ces grands trafics du XIIIe siècle. Donc cet ensemble de la côte Est comportait 1000 feux, ces trois paroisses confondues, ce qui est tout à fait important, peut-être 5000 personnes. Alors que l'ouest de cette zone-là, avec les villes de Cherbourg et Valognes, étaient très peu peuplées. Ces deux villes étaient toutes petites, 250 feux pour chacune d'entre elles, donc 1000 habitants en gros. Donc l'essentiel de l'activité à cette époque-là était donc à l'est du côté de Barfleur. Et toutes les autres paroisses de cette région étaient fort petites. Gouberville, la paroisse de Gouberville à cette époque-là avait 64 feux, peut-être un peu moins de 300 habitants. Après, nous ne possédons plus d'évaluation solide, mais uniquement quelques rôles de cet impôt du monnayage dont j'ai parlé sur quelques paroisses. Je les ai reportés sur ce graphique-là. La seule chose que j'ai réussi à faire pour évoquer l'évolution de la population, c'est porter les différentes valeurs qu'on lit dans ces rôles de monnayage
en les rapportant à la population de 1278, donc en pourcentage. Et on arrive malgré tout à voir sur ce schéma à peu près, ou à imaginer à peu près le même profil que pour l'ensemble de la Manche, c'est-à-dire depuis le vidage, le videmont du Cotentin au début de ma période en 1380 sur ce schéma. Donc là, la population était rigoureusement nulle. Il n'y avait qu'à Valognes qu'une population avait été conservée. Donc vers 1400 remontée, chute à nouveau en 1420, Barfleur pratiquement anéanti, et il ne se relèvera jamais en réalité. Et puis après, donc une lente remontée, mais assez constante, probablement entre 300 assez constant, à l'exception de la période autour de 1520 dont j'ai parlé, qui avait été frappée par des pestes et des disettes. Donc dans la période de Gilles de Gouberville, le Ménil-Oval a déjà fortement cru, donc manifestement la clairière s'est étendue, elle a pénétré dans la forêt de Brie plus largement, et donc dès 1540, nous avons la chance de disposer d'un rôle nominatif des habitants de Ménil-Oval en 1539. Donc vers 1540, le Ménil-Oval avait déjà presque doublé la population qu'il avait au tout début de la période. Gouberville ne l'avait pas encore atteint, il était à l'est, la situation était moins favorable, mais il avait presque retrouvé sa population initiale. Et quand on se porte en fin de période, donc là on voit des croissances extrêmement importantes, la population de Valogne a quadruplé, celle de Cherbourg à peu près aussi, Brie a beaucoup grandi également, même phénomène, la forêt s'est retirée et la ville a pu, le bourg de Brie a pu grossir. Le Ménil-Oval a, avec Valogne, la croissance la plus forte de cette zone-là, Gouberville beaucoup moins, et Barfleur est toujours sinistré avec moins du quart de la population initiale. Et si enfin je regarde la fin de la période, l'époque vers 1650, où le monde est à nouveau presque plein, la situation a radicalement changé. La zone de Cherbourg-Valogne est en pleine croissance. La population a été multipliée par 2,5 depuis le XIIIe siècle, alors que la zone de Barfleur, tout l'est du Cotentin, n'a même pas rejoint sa population du XIIIe siècle, donc trois siècles après. Et donc j'ai rappelé sur ce petit tableau quelques chiffres. Donc le Ménil-Oval à cette époque-là, en 1650, a presque une centaine d'habitants, donc 400 personnes, disons. Gouberville a beaucoup moins cru, il est à peine au-dessus de son chiffre de 1278, il a 72 feux au lieu de 64. La paroisse de Brie a connu presque la même croissance que le Ménil-Oval avec 300 feux. Donc Gilles de Gouberville, dans sa grande propriété du Ménil-Oval, était quand même extrêmement bien placé dans une zone en pleine croissance. Et on peut enfin compléter cette approche de la population par le fait que la structure sociale est restée extrêmement stable. Jusqu'en 1700, on peut dire que d'un point de vue social, il ne s'est rien passé. On voit en particulier sur le petit schéma que j'ai placé là, que la présence rurale de la noblesse n'a pas été affaiblie. Ce n'est qu'après 1700 que les nobles partiront ailleurs, prendre des offices, quitteront la Manche pour aller dans des villes plus importantes, plus attractives pour eux, où ils pouvaient trouver des offices de plus grande valeur. Et on pourrait dire la même chose du clergé, bien qu'on n'ait pas de statistiques d'aussi bonne qualité que pour la noblesse, mais les effectifs du clergé ont cru sans aucun doute jusqu'en 1700 et décru après. L'effectif du clergé ne sera plus à la Révolution que deux tiers de ce qu'il était vers 1700. Donc sous ces deux aspects-là, on peut dire que le monde de Gouberville n'a pas changé pendant encore un siècle après sa mort. Il aurait pu,
en vivant 100 ans plus tard, avoir à peu près le même environnement autour du Ménil-Oval, avec ses cousins nobles, avec ses missires, avec tous les officiers qu'il fréquentait par son office de lieutenant, toute cette société des ordres privilégiés aurait été maintenue autour de lui, et à cette époque-là, il était même en croissance. Si je prends un second aspect de l'évolution des mutations que Gouverville a pu connaître pendant sa vie, celle des prix et des salaires a été majeure, parce que, comme je le disais, ça a été pratiquement le seul épisode inflationniste de tout l'ancien régime. Il provient du fait que au XVIe siècle sont arrivés en quantité massive les métaux précieux d'Amérique, qui ont provoqué un triplement de la masse monétaire française, alors qui était antérieurement fort insuffisante. Donc cette arrivée ce gonflement de la masse monétaire a facilité la vie. Il y a d'innombrables endroits dans le journal de Gouverville où il dit qu'il n'a pas pu payer tel fournisseur parce qu'il n'avait pas de monnaie. Enfin, c'est pas qu'il avait oublié son porte-monnaie, mais c'est parce qu'en fait le numéraire manquait manifestement. Donc ce gonflement a aussi permis naturellement la croissance de l'économie qui était indispensable à cause de la croissance de la population. Mais en solde, elle a produit une inflation extrêmement importante, qu'on constate en particulier sur l'évolution des prix alimentaires. J'ai porté sur le schéma de gauche l'évolution du prix du froment, qui était le prix directeur de l'alimentation. Et tout variait à peu près comme le prix du froment, aussi bien le prix de la viande que le prix de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc j'ai porté sur ce schéma l'évolution du prix du boisseau tel qu'il était utilisé dans la région du Ménil-Oval, c'est-à-dire le boisseau de 18 pots. Et on constate que sur la période de la vie de Gouverville, le prix du boisseau a été multiplié à peu près par 8, ce qui est gigantesque. À toutes époques, surtout dans un laps de temps relativement bref. Et je portais avec le petit point rouge du schéma la valeur du boisseau constatée entre Valognes et Cherbourg à l'époque vers 1560. Bon, c'était tout à fait dans la moyenne du département. Et on constate sur le schéma de droite qu'en revanche, l'évolution des salaires a certes connu une petite inflation, mais pas du tout de la même ampleur. J'ai porté ici le salaire journalier des ouvriers non qualifiés, qui est la référence la plus solide. C'est un petit peu l'équivalent du SMIC pour nous. Donc à la fin d'une période qui avait été marqué par une absolue stabilité des salaires depuis 200 ans. Il y a une très forte croissance, mais qui n'a fait qu'un triplement des salaires. Et on constate d'ailleurs que le salaire que Gilles de Gouverville pratiquait au Ménil-Oval était un peu inférieur à la moyenne de la Manche. On peut plus ou moins s'en douter, parce que dans le climat paternaliste avec lequel il traitait ses employés, on pouvait s'attendre à ce que les salaires soient relativement plus faibles. J'ai indiqué en dessous d'ailleurs la grille salariale que pratiquait Gouverville. C'était un sou pour les ouvriers non qualifiés, 2 sous pour les qualifiés, 3 sous pour les travailleurs de force et 1/2 sou, enfin 6 deniers pour les femmes. Bon, c'était des règles assez habituelles à cette époque qui dureront jusqu'à la fin du 19e siècle en réalité, aussi bien pour ce qui concerne le salaire des femmes que la hiérarchie salariale des qualifications. Alors ceci naturellement a eu des conséquences majeures. La première, c'est que la hausse des prix a multiplié la valeur des biens. Gilles de Gouverville avait une grande exploitation agricole, donc qui vendait malgré tout, quoi qu'on ait dit qu'il vendait fort peu, et quoi qu'ait dit, le roi Ladurie ait pu dire sur le fait que c'était une entreprise qui vivait en autarcie, ce qui n'était quand même pas le cas. Donc un triplement de la valeur de son exploitation est quand même déjà considérable. Et la seconde conséquence, naturellement, ça a été une inévitable croissance du taux de pauvreté et simultanément une dégradation du régime alimentaire. On s'en aperçoit facilement
J'ai fait sur le petit tableau un petit calcul du revenu annuel d'un foyer de travailleurs journaliers, de travailleurs manuels en gros, dans deux hypothèses de salaire de l'homme, un sou et demi par jour ou deux sous et demi dans une autre hypothèse, avec le salaire de l'épouse à due proportion. Ça leur faisait, selon les cas, donc un revenu annuel de l'ordre de 20 ou 35 livres. Et on sait que à l'époque, l'alimentation consommait à peu près 75% de ce revenu. Le reste, c'était des chaussures et tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais si on rapproche ça du budget alimentaire qui était nécessaire pour une supposée famille de 4 personnes, on voit que si le boisseau de blé valait 7 sous, ce qui est à peu près le cas, dans les années 1540, ça faisait un budget pain de 14 livres, bon, ça passait. Mais si le boisseau de froment valait 20 sous, ce qui lui est arrivé dès 1557 à cause d'une sécheresse, là, le budget pain devait monter à 40 livres et la situation était dramatique. Alors il n'est pas monté tout de suite à 40 livres de façon stable et continue, mais on voit à la fois la difficulté des périodes de mauvaise récolte et puis aussi l'enjeu de la montée des salaires de façon à suivre l'évolution des prix. Alors ceci a globalement causé une élévation significative du taux de pauvreté. On constate au temps plus ancien un taux de pauvreté de l'ordre de 10% qui n'est pas choquant à la limite. Enfin bon, on peut s'imaginer assez facilement vu le niveau d'instruction de la population moyenne. Mais en gros, il tripla tout de même d'ici la fin de la vie de Gouberville. Alors c'était au demeurant fort inégalement réparti sur le territoire, ce n'était pas une pauvreté générale. On voit que par exemple, à Gouberville, il n'y avait que 2% de pauvres, vers 1540, au Ménil-Oval 7%, mais à Sauce-Ménil 30%, pour une raison que je ne saurais pas vous expliquer. Et dans d'autres parties de la Manche, je n'ai pas trouvé de chiffres relatifs à la zone du Val-de-Serre, à la zone Cherbourg-Valogne, mais vers 1570, à Canisy, on trouve 55% de pauvres. Donc ça a été une période, ça a été cette période-là pendant laquelle l'alimentation dans les populations rurales s'est dégradée. Autrefois, le froment était très fréquent. On en trouve partout, dans tous les terriers, toutes les redevances sont en froment, ce qui montre que les gens cultivaient et mangeaient du froment. Et progressivement, les gens ont dû se rabattre sur des céréales secondaires et bien entendu diminuer leur consommation de viande. On est frappé quand on lit le journal de Gouverville de la quantité de viande qu'il achète, qu'il fait donc manger ses domestiques nécessairement. Mais ultérieurement, on sait que dans le courant du XVIIIe siècle, on disait que seulement 10% des populations rurales mangeaient du pain blanc, c'était exclusivement les nobles et le clergé. Mais tous les ruraux étaient passés sur des céréales secondaires, que ce soit de l'orge ou du sarrasin. Enfin, un troisième motif de mutation, ce que j'ai appelé la croissance de la valeur. Alors ça peut vous paraître un peu technique, mais c'était extrêmement important pour un très grand propriétaire foncier qui était Gouberville, et il était dans un milieu de propriétaires fonciers. Je rappelle qu'autrefois, on utilisait aussi bien pour les prêts et pour les actifs une méthode extrêmement simple qui était que les prêts étaient évalués comme étant l'arrérage, c'est-à-dire le versement annuel d'intérêt multiplié par un denier, ce qu'on appelait un denier qui était un coefficient simple. Il était généralement de 10, il a été de 20 après, déjà mais bien les chiffres euros. Et on raisonnait exactement de la même façon pour évaluer la valeur d'un bien, d'une propriété par exemple, en faisant revenu net par denier. Alors les gens faisaient comme ça parce qu'ils ne connaissaient pas le concept d'inflation, en dépit de cette période-là. Ils ne maîtrisaient pas la notion d'inflation. Et puis ils ne maîtrisaient pas non plus les calculs un peu compliqués. Parce qu'à cette époque-là, tous les prêts étaient perpétuels.
naturellement, faire un raisonnement, enfin un calcul, comme on le fait à notre époque moderne pour évaluer les intérêts d'un prêt, ça ne marche plus si les prêts sont perpétuels, évidemment, puisque le taux d'intérêt est nécessairement infini. Donc c'est en particulier à cause de ça qu'ils utilisaient cette méthode simple. Et donc, ils utilisaient le même denier aussi bien pour traiter des prêts que pour traiter de la valeur des biens. Alors à l'époque, donc, les prêts, comme j'ai dit, étaient perpétuels, non remboursables, et ils étaient en argent ou en nature. Donc c'est un facteur extrêmement important qu'ils soient non remboursables, parce que ça amenait parfois des prêts à durer très très longtemps. Bon, les historiens connaissent des exemples de prêts dont les intérêts avaient été payés pendant plus de 200 ans. Et j'ai cité tout à l'heure un prêt qui avait donc été remboursé au bout de 24 ans. Alors c'était extrêmement long, parce que c'était malheureusement un prêt en nature, donc c'est un prêt que le père de Louverville avait fait de 30 livres tournois, et on lui donnait chaque année 20 boisseaux de blé. Alors imaginez dans cette période inflationniste, devoir rembourser deux boisseaux de blé, quand le prêt avait été souscrit, ces boisseaux de blé avaient été évalués à 3 sous, et avant la mort de Louverville, vous avez vu sur les transferts précédents à quel niveau ils étaient montés, ça correspondait à peu près à cette époque-là, ça aurait correspondu à cette époque-là à peu près à un taux de 60%, un taux d'intérêt de 60% par an. Alors fort heureusement, ce prêt avait été remboursé un peu plus tôt, mais enfin disons, c'était donc des conditions assez dramatiques. Le fait qu'il ne soit pas remboursable à l'initiative de l'emprunteur pouvait conduire à des situations assez dramatiques. Alors il y a eu un effort de moralisation qui a été commencé par l'Église d'abord, pour rendre ces prêts remboursables à l'initiative de l'emprunteur, plafonner un peu les taux, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de 10%, ce qui était un effort modeste. Et puis ensuite, l'État est intervenu. Il a d'abord imposé qu'il n'y ait plus de prêts remboursables en nature, qui étaient vraiment des prêts extrêmement toxiques. Et ensuite, il a engagé une action de baisse progressive du taux d'intérêt. C'est ce que j'ai représenté sur la courbe en rouge. Donc il y a eu des baisses progressives à 8%, à 7%, à 6%, pour arriver à 5% un peu après, enfin dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la façon d'évaluer aussi bien les prêts que la valeur des biens, cette baisse des taux d'intérêt produisait mécaniquement une hausse de la valeur des actifs. Et on constate que la baisse des taux d'intérêt aura multiplié la valeur des actifs de Louverville par à peu près 2,2 sur la période de sa vie et sur celle de sur la période qui va jusqu'à peu près à 1620, qui est à peu près la date du décès de Simonet, à titre d'exemple. Donc de la période où Louverville écrivait son journal à la mort de Simonet, donc la valeur de ses biens aura été multipliée par deux, rien que par la baisse de ce taux d'intérêt. Et donc si on ajoute hausse des prix et baisse des taux d'intérêt, la valeur des propriétés de Louverville a été multipliée à peu près par 5 sur cette période-là. Et on en a quelques exemples, ça mériterait un complément d'enquête en utilisant des documents notariaux postérieurs, mais j'ai été frappé par le fait que à la fin de sa vie, Simonet avait renoncé à ses propres biens et à l'utilisation viagère d'une partie du domaine du Ménil-Oval pour se faire verser une pension, et il s'est fait à cette époque-là verser une pension de 450 livres, ce qui est une somme énorme quand on imagine les prix anciens et les revenus anciens. 450 livres, c'était plus que tous les revenus de Louverville, enfin toute la valeur produite par son exploitation dans les années 1540. C'était une somme considérable. Et donc Simonet, qui n'avait pas un patrimoine personnel considérable, donc avait pu bénéficier d'une pension de 450 livres. Donc il y a eu vraiment un changement d'ordre de grandeur, en fait, dans le courant de cette époque. Alors, pour conclure, le contexte
Le contexte général, la démographie et les prix étaient manifestement très favorables à Gouverville. Il avait des domaines de qualité, des domaines de grande qualité. Sur l'exploitation du Ménil-Oval était bonne et en croissance. La propriété dont il avait hérité a réussi également. Il avait donc des domaines de qualité avec des perspectives de croissance dans les deux cas. Ses réseaux sociaux n'étaient pas menacés, parce que la structure sociale était stable et elle est restée jusqu'en 1700, et il avait des pratiques relationnelles extrêmement robustes. Il dépensait beaucoup d'énergie à faire voyager ses Simonet et ses Cantepie, il voyageait lui-même. Il avait une stratégie extrêmement efficace de don, de contre-don avec toutes ses relations. Il avait table ouverte, donc tout ceci était une pratique extrêmement efficace, et ses réseaux sociaux étaient solides, et l'évolution que j'ai décrite ne les menaçait pas. On peut dire en conclusion qu'il était bien placé pour tirer sans état d'âme parti du meilleur des deux mondes, à la fois ce monde de croissance qui avantageait un exploitant agricole riche, et puis par ailleurs il tirait sans vergogne parti de sa position de seigneur local. Il payait mal son personnel, il utilisait les corvées, donc sans état d'âme, il jouait sur ces deux positions. Et puis je dirais que, d'une façon générale, manifestement, le futur ne l'inquiétait pas. Il n'avait pas une perspective de long terme, il n'avait pas d'enfant légitime, donc il n'avait personne autour de lui n'héritait de ce qu'il faisait. Donc on peut se demander pourquoi il continuait à développer son exploitation, pourquoi il continuait à se fatiguer, à aller à Russie pour développer l'ancienne exploitation de son oncle. Mais manifestement, le futur ne l'inquiétait pas. Et on voit quelqu'un avancer quotidiennement, de façon intelligente. Sa façon de gérer ses exploitations agricoles était pertinente. Il faisait des affaires extrêmement convenables, mais sans état d'âme. Merci de votre attention.